bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau challenge. J'ai pas mis le son. Ah si, j'ai le son, c'est juste le son du jeu qui est pas là, voilà. On se retrouve donc pour un nouvel épisode du challenge Rags to Rich. Donc voilà, on va pouvoir avancer un petit peu. Coucou Xelos. Je sais pas si, donc pour ceux qui ont suivi jusque-là, dans le dernier live, Olivier s'était construit cette magnifique maison, ce bunker sans fenêtre, absolument magnifique, une merveille d'architecture, je trouve. Et il avait payé sa formation professionnelle pour pouvoir avoir... pour pouvoir travailler, donc on a commencé à le faire travailler. Il avait aussi réussi à faire emménager Dina Caliente. Alors on la reconnaît pas trop là parce que je lui ai fait un petit relooking parce que moi je supportais plus ses cheveux. Bref, donc je l'ai relooké un petit peu. Et lui aussi il a eu droit à relooking, pardon. Oui, relookage, je peux. C'est pas ça que je voulais faire. Et parce qu'en fait, bon bah maintenant qu'il a une maison, tout ça, il a une douche, je me suis dit qu'on pouvait laisser tomber le côté un peu crasseux. Et voilà, donc du coup je leur ai fait un petit relooking, donc lui je lui ai surtout enlevé la crasse qu'il avait sur la peau et un petit changement de coupe. Et bah merci Sen, pour le follow, c'est très gentil de ta part. Donc je disais, lui je lui ai juste fait voilà une petite coupe de cheveux et elle a eu droit à un coupe de cheveux, maquillage, vêtements, la totale. Donc voilà, donc maintenant c'est elle qui va se mettre à la peinture pour gagner de l'argent, lui qui va aller travailler. Il faut aussi que je les aide à se rapprocher un petit peu parce que c'était un peu mal parti, ils ont du mal à devenir vraiment proches. Voilà, du coup, alors attendez parce que... Donc coucou Missing, j'ai raté des choses, oui. Donc, alors, ils sont pas mariés encore, hein, ils sont juste... Ils vivent dans le péché, pour l'instant. De toute façon, non, ils vivent pas dans le péché, ils sont juste en coloc, hein. Ils ont pas fait de... Ils ont pas fait de bêtises. J'ai ma glace coco chocolat, c'est parti, vénard. On dirait qu'il a acheté une femme et un lit en te disant oui. Mais ça s'est un peu passé comme ça, en fait, hein. C'est Dina... Oui, c'est Dina Caliente. Viens ici, qu'on te voit. Ah, maintenant, t'es en train de peindre. Donc c'est bien Dina Caliente qu'on a juste un peu relooké. Donc le but du jeu c'est de les rapprocher pour qu'ils finissent en couple. D'agrandir un petit peu la maison, de gagner de l'argent et puis potentiellement de les marier et de faire des enfants. Voilà, voilà. Vous savez tout, on est parti. Voilà, en sachant que le but, il faut que ma maison, elle ait 3 chambres, une cuisine, une salle à manger, au moins 2 salles de bain, un salon, un bureau avec un ordinateur et un jardin, et ainsi qu'une piscine. Donc, c'est pas gagné. Qu'il faut que je me marie donc avec Dina et que je devienne grand-parent, mais ça c'est plus tard, que j'atteigne le top 10 de ma carrière... Et que j'achète la récompense esprit d'initiative. Que je complète mon aspiration. Et que je gagne au moins 200 000 simflouz à la banque. Et une maison de 100 000 simflouz. Voilà, magnifique. On a déjà fait ce qui était nécessaire pour construire la maison. Et on a fait ce qui était nécessaire pour avoir le job. Et il va falloir qu'on ait donc des enfants pour gagner. Donc, hello, un poulpe des chats. J'ai mis la qualité à 160 pour te suivre. Je me rends compte que mon Mako est vraiment de la merde. Je viens tout juste de finir le replay d'hier. C'était chaud patata. Ouais, t'es juste dans le timing. Ah non, mais alors la connexion, moi, si tu veux, je suis partie 3 semaines chez ma mère cet été. Et moi, j'ai pas la fibre hein, chez moi, mais j'ai une très bonne connexion. Et quand je suis arrivée chez ma mère et j'avais une vidéo envoyée pour la chaîne, ça m'a pris plus de 24 heures, je crois. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré en me disant que vraiment, j'avais de la chance chez moi. Et coucou, Massilia. Bon, bah, puisque tout le monde est là, on est parti. Hein. Let's go. Donc, Dina, tu continues à peindre. Toi,
ta carrière. De toute façon, c'est dans 2 jours. Du coup, je l'ai envoyé en carrière culinaire, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Voilà, parce que j'ai un peu tiré au hasard, c'est tombé sur Gourou des technologies, mais comme je me suis dit qu'on n'allait pas avoir un ordinateur tout de suite, c'était quand même plus simple de faire ça. Donc, voilà. Bah écoute, en attendant qu'elle... Elle va faire se reproduire les grenouilles. Voilà. Ça va faire un petit peu de sous. Pourquoi on est à zéro, je sais plus. Je sais plus pourquoi on s'est retrouvé à zéro. C'est pas grave. C'est qu'on devait plus avoir d'argent. Moi, j'ai payé les 1000 simflouz de toutes les façons. Ah si, oui, parce qu'on a payé je sais pas quoi. Il nous restait 75 simflouz. Et du coup, elle les a mis dans le tableau. Ça y est, ça me revient. On va aller vendre la 160. Voilà. Heureusement qu'on ne doit pas tirer des cartes chance. Parce que sinon, je crois qu'on serait en banqueroute à chaque fois. Sinon, pour acheter le trait initiatif, enfin, esprit d'initiative, je crois que c'est 2000. Je crois que c'est 2000 traits de récompense. Il est où? Il est là, 2000. Donc 2000 points de satisfaction. Il va falloir. Je crois que j'ai mal choisi son aspiration parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça marche. Vous croyez que j'ai le droit de changer? Je suis pas sûre. Vas-y, vends ton tableau. Ah, c'est pas toi qui va nous rapporter des sous pour l'instant, hein. Utiliser. Prendre des restes. Allez, retourne-y. C'est pas. On va pas pouvoir compter sur Dina très longtemps, je crois. Puis je t'ai donné une robe mieux que ça, là. Pourquoi tu mets celle-là? Parce que tu as chaud, peut-être. Ah, dans la maison, il fait pas chaud quand même. Elle mange sur la pauvre chaise. Ah, c'est beau. Tu n'as pas commencé l'aspiration. Pour moi, tu peux changer. Ouais, bah, je vais changer alors si. Je l'ai pas commencé du tout, mais je me rends compte que je la connais pas bien celle-là. Qu'à tous les coups, il va falloir que j'aille à Granite Fall chercher des je sais pas quoi. Donc, je pense qu'on va changer. Voilà, découverte de la forêt. Ouais, non, c'est bon. Oh bah du coup on va peut-être se lancer dans nourriture puisque de toutes les façons on est parti cuisine, gastronomie, gagner l'argent lors d'un événement dîner, devenir adulte facile. Ouais bah je crois qu'on va partir dans grand chef, hein, ce sera plus. Ça ira mieux avec son métier. Allez, hop. Voilà, facile, easy. C'est parti. Alors Dina. Bah Dina, tu vas continuer à peindre, hein, ma foi. C'est toi qui vas faire bouillir la marmite. Ouais, non, mais voilà. Je te cache pas que l'aspiration incroyablement riche n'est pas mieux. Mais je vais pas la changer juste pour le fun. Je préfère pas aller voir. C'est l'aspiration qui va avec Destination Nature. Donc ouais, ça se passe là-bas. Ouais, non, mais je vais pas aller à Granite Falls, c'est bon, quoi. Vendre un collectionneur. C'est bien, c'est bien. Allez, va prendre une douche. Toi, si t'as fini de dormir, ce serait bien que tu te rapproches un peu de Dina, quoi. Ah, je crois que j'ai pas changé son. Ah, j'ai oublié de changer ses vêtements pour dormir. Il a toujours les vêtements crado pour dormir, c'est pas cool. C'est pas cool. Ah, je peux pas, je peux pas. C'est compliqué, là. Dès que je bouge le bras. Dès que je bouge le bras, j'ai mal. Dès que j'inspire, j'ai mal. Je pense que je vais finir en apnée. Coucou tout le monde. Écris mon aide. Ça fait un moment que je n'étais pas venue. Comment vas-tu? Et coucou Calista. Écoute, ça va. Et toi? J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon été. T'as pas trop chaud? Oh, aujourd'hui, c'était trop de bonheur. Il faisait 20 degrés. J'avais 23 dans la maison. Là, j'ai 27 et tout est fermé. C'est beau. C'est bio, je me suis endormie sur le canapé cet après-midi. Quand je me suis réveillée, j'avais froid. J'avais froid. Oh, c'était beau. Oh, ça m'a fait plaisir d'avoir froid.
Il n'y a que ce matin, je suis sortie. Pourquoi je suis sortie ce matin? Oui, je suis sortie pour aller faire des courses. J'ai passé ma journée à faire des courses. Je suis allée acheter des bananes et du pain. Et en revenant, je me suis pris une grosse saucée sur la tronche, mais c'est pas grave. C'était bon quand même. Allez. Ah, t'es toujours mal à l'aise. Parce que Vlad t'a mordu. Mais ça y est, c'est passé. C'est cool d'avoir froid. Ah ouais, moi j'étais contente à me réveiller d'avoir froid, dis donc. J'étais trop contente. Bon, c'est juste que j'avais plus où étaient mes vestes et tout ça, mais... Bon, parle-lui déjà. Amical. Complimenter la tenue. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette robe qu'elle t'a mis, dis donc. Alors par contre, il s'est passé un truc assez bizarre. Quand j'ai mis en ligne le replay, il y a, je crois que c'est dans la vidéo numéro 4, à un moment donné, il écoute la musique dans ses écouteurs, et du coup, ça m'a foutu un copyright sur ma vidéo. Sur ma vidéo, ça m'a foutu un copyright, donc il y a une vidéo où... Où du coup, il va y avoir de la pub parce qu'ils m'ont foutu un droit d'auteur sur la musique et l'écouter. J'ai pas compris. Il a plu, mais bien comme il faut. J'avais juste un petit pull sur moi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je suis en congé demain midi. Ah putain, la chance. Mais bon, il est vrai que j'aimerais finir. Bah j'espère. Et bonsoir Ayoub. Bon, ça se présente pas mal là. Est-ce que moi, il y a moyen de moyenner, je sais pas, de venir ma petite amie, tout ça. On pense. On va s'embrasser déjà. Alors, est-ce qu'elle me met un vent? Eh non, elle me met pas de vent. Magnifique. Maisie Grobe, Craybow. Ouais, d'accord. C'est bien, Dina. Tu peux pas devenir, non pas encore, enlacé, et on va aller faire crac-crac. Juste crac-crac pour l'instant, on va pas encore s'emballer avec les mômes, hein, on va se détendre. Ils sont toujours pas ensemble. Eh ben non, parce qu'en fait, hier c'était un peu, j'ai un peu ramé, quoi. Ils étaient un petit peu, ça a été compliqué de les faire... Donc ils ont jamais fait crac-crac, ils se sont vaguement embrassés hier, vite fait... Et donc voilà, ils sont pas encore ensemble, ils sont pas mariés surtout parce que de toute façon j'ai pas de sous pour un mariage. Ah non, Dina fait sa farouche, hein. C'est pas comme Don, hein. Ah ouais, merci Ayoub pour le follow. Il y a pas encore l'alerte, mais c'est bah voilà, il suffisait de le dire. C'est gentil, merci beaucoup. Ça grimpe le compteur. Merci à vous tous, hein. Dina n'était pas réceptive. Ah non, Dina, elle était pas... Déjà, elle a carrément disparu. Ensuite, elle le fuyait. Quand elle restait, ça se passait mal. Enfin, bref. Tiens, tu vas aller prendre une douche méditative et préparer le manger. Nettoyer. Cuisiner. On va pas s'emballer sur les trucs chers. Salade de fruits. Oh, c'est une journée... c'est les promos. Tu live jusqu'à quand? Alors, je live... ça va dépendre. A priori, normalement, au moins jusqu'à 23h, 23h30. Si tout va bien. Parce que c'est ce que j'expliquais, je me suis un petit peu blessée avant le live. Donc, suivant comment évolue ma douleur, j'arrêterai ou pas avant. Mais pour l'instant, on est parti jusqu'à au moins 23h, 23h30. Elle a fui, tu l'as kidnappé, quoi. Non, non, genre, je suis en train de lui parler, puis elle se barre à l'autre bout de la map. Tranquillement. Enfin bref, elle voulait pas. Ah, Olivia, un merveilleux moment. Tu m'étonnes qu'il a passé un bon moment. Alors. Bon, quand tu veux, hein. Putain, la douche... Hey, depuis qu'il a une douche, il veut plus en sortir, hein. Allez, vas-y, nettoie. C'est bien. Puis à un moment donné, elle a carrément disparu. Elle était à l'écran et puis pouf, elle y était plus. Il a fallu qu'on aille la chercher chez elle. Elle s'était enfuie. C'était... Non, vraiment, je crois que j'ai un peu... Je lui ai franchement forcé la main. Mais bon. Ce qu'il faut, hein.
Ils vont avoir le frigo plein de bouffe, c'est bien. Espérons qu'ils la mangent avant que ce soit périmé. Bah, tu vas m'en faire un deuxième, c'est pas grave si ça périme. Allez, voyez au bacon. T'as vraiment pas de bol, toi, sérieux, il t'arrive toujours quelque chose. Ah ouais, non, mais hier soir, quand je l'ai vu disparaître comme ça, mais alors vraiment, hein, genre elle est là, je veux aller lui parler, et avant même que je clique dessus, pouf, plus de Dina. C'était chiant. Heureusement, elle a fini par réapparaître. Elle a fini par réapparaître un peu plus loin. Désolée, mais comment s'appellent les Sims? Les miens, là? Ceux avec lesquels je suis en train de jouer? Donc, bah, la petite blonde, là, c'est Dina Caliente, que j'ai un peu relookée. Et lui, c'est Olivier Martinez, c'est un Sims que j'ai créé et que j'ai envoyé en galère, donc, dans ce challenge. Voilà. Si c'est ça que tu veux savoir. No fig, sure me. Allez, normalement on devrait valider. Ah non, grande mixologue, c'est pas lui. On devrait valider, voilà. Ok, ça va être bon pour aujourd'hui. Les Sims de crime aiment les galères. Ouais. Je sais pas si eux les aiment. Moi, j'avoue que j'aime bien les débuts. J'aime bien, par exemple, dans un Legacy, ce que je préfère, c'est la première génération. Celle qui a rien, qui doit tout galérer. Et une fois qu'après la première génération s'en est sortie, les autres, c'est facile, quoi. Du coup, est-ce que tu peux dormir avec elle ou est-ce qu'elle va te mettre un vent et que tu vas devoir aller... C'est bon, vous avez fait cracra, vous pouvez dormir ensemble, non? Nickel. Alors, à toi. Bah, de toute façon, toi, ton rôle principal, c'est de peindre des tableaux. Hein. Soyons clairs là-dessus. Hein. Tu vas un peu faire que ça de tes journées, de toute façon. Peindre des tableaux pour qu'on puisse agrandir la maison. Et quand on aura réussi à faire au moins une chambre en plus, on envisagera de faire un bébé. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un nombre minimum requis d'enfants, ou s'il suffit d'en avoir un. Ou je sais pas exactement. Je sais qu'il faut 3 chambres, mais ils ont pas dit que les 3 chambres devaient être... Ouais, c'est ça. Dina, elle est là pour... Il faut peut-être pas rire. Dina, elle est là pour peindre des tableaux, divertir le beau mec, et après faire des gosses. C'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Et si possible, faire de beaux gosses. Parce que si elle fait des gosses moches, ça va pas le faire. Voilà, ça, on a une maison. Tous les enfants, hein, pour grandir. Non, mais ils disent pas combien il faut d'enfants, en fait. Ah, écoutez, on va se contenter d'un ou deux, je crois, hein, parce qu'on va pas non plus... On va pas partir non plus dans un délire de faire 40 gosses, hein. Marqué, il faut 3 chambres, donc 3 chambres de gosses, nickel. Il faut être grand-parent, donc au moins un, ouais, ça j'avais vu. Mais du coup, je pense que 2, c'est pas mal. Écoutez, si t'as faim, tu peux aller manger, il y a à bouffer pour 6 mois, là. Tu peux inviter tous les SDF du quartier. Et tu travailles dans combien de temps? Ah, ceci dit, j'avais pas d'émission... Ah mais non, ça c'est son... C'est son hobby, ça. Ah, par contre, je sais pas si... Si elle doit pas... Ah oui, je dois compléter... Alors, attendez. Je dois compléter au moins un but d'aspiration pour mon Sims et sa femme. Donc, c'est pas... C'est pas l'aspiration en entier que je dois compléter. C'est au moins un but. Donc, bon, je parle pas pour lui parce que lui, j'ai semblé le compléter, mais c'est pour elle. Donc en fait, si je complète juste ça, c'est bon pour elle. Complète, et puis après c'est les aspirations des enfants qu'il faudra compléter. Donc ça, c'est bon. Donc il faudra juste que j'achète un bar à un moment donné pour qu'elle puisse faire 10 boissons et acheter 2 tabourets, quoi. Mais bon, on n'y est pas encore.
Et puis si elle pouvait éviter de me faire des triplés aussi. Donc, grande toile classique. Continue de peindre, mon petit. Si tu veux un jour avoir une chambre qui n'est pas dans la cuisine, il te faut peindre des toiles. Bon. Bon. Donc voilà, oui, je sais pas, hier soir j'étais très fatiguée quand on m'a demandé si je faisais un live ce soir et que j'ai dit non, je fais pas de live, ce sera vendredi. En fait, j'ai tout inversé les semaines parce que, donc du coup, bah, je fais un live ce soir, hein, comme vous pouvez le voir. Et par contre, je pourrais pas faire de live demain, je pourrais refaire un live que dimanche. Et dimanche matin, je pense que ce sera un live sur Détroit. Détroit Become Human, le jeu sur PS4. Donc je pense que le prochain épisode des Sims, ça sera très certainement lundi soir, pour le coup. Et encore, je suis pas sûre. Parce que mardi à minuit, il y a l'extension de World of Warcraft qui sort, et j'ai dit que j'allais faire un live sur la sortie de l'extension. Donc je ne sais pas, je sais pas, j'irai peut-être dormir quelques heures lundi soir. Bref, je vous redirai ça, je sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir continuer le challenge. Il va continuer, mais j'ai pas encore les dates en tête. Si t'as des triplés, tu fais comment? Bah voilà, comme elle a dit Fanny, je pleure. Je pleure, je me pends, et où est-ce que c'est la cuisine qui est dans la chambre? Ah, ça c'est une question philosophique qu'il va falloir, sur lequel il va falloir se pencher, Missing. Bon, moi je me suis rendu compte qu'on était jeudi en fin d'après-midi. Alors moi, depuis ce matin, je sais qu'on est jeudi, puisque c'est la fin de mon week-end de 3 jours, et que j'avais pas du tout envie que ce soit la fin du week-end. Tu vas faire une nouvelle histoire ou tu vas continuer l'histoire pour d'autres... Non, je pense que je vais continuer. Je pense que je suis à peu près à la moitié du jeu. À peu près. Donc, je vais essayer de le finir. Après, ça m'empêche. Après, je pense que je vais le recommencer en choisissant, en prenant d'autres choix. Mais je pense que je vais le finir. Et merci. Merci, Kevso, pour le follow. Merci beaucoup. Ben oui, mais j'ai dit à des clés en boulot que j'aurais le temps de finir un truc cette semaine. Sauf qu'avec le temps qui reste, ça va être difficile. Ah, bah ça. Tu t'es trop avancé, Missing. Vendre un collectionneur. Qu'est-ce que va continuer à peindre? Elle rapporte moins que lui quand même, hein, quand elle peint la dame. Et salut Laure. Du coup, t'en es où toi? Allez, va manger. Ah, les antalgiques commencent à faire effet, ça commence à aller un petit peu mieux. Voilà, je fais des lives sous dérivés morphiniques, tout va bien. Tout est normal. Putain, c'est chaud. Bon. Ah, et puis alors, j'ai pas du tout envie d'aller bosser demain. Marqué ni samedi d'ailleurs. Mais bon, quand il faut, j'ai pas trop le choix. Remarquez là, avec la température qui est descendue, ça devrait être moins suffocant d'aller bosser déjà, parce que là, avec la chaleur et les tenues épaisses qu'on a et tout, c'était horrible. C'était horrible. Du coup, toi, ouais, de toute façon, on est bon, on est prêt pour aller bosser, pas de problème. Ce serait bien que tu fasses quelques enlacer quelqu'un. Tiens, tu vas enlacer. Ce serait bien que tu... Voilà, tu obtiennes quelques trucs pour que tu puisses embrasser langoureusement. Hop. Non, bah acheter un panier de basket, non, on va peut-être pas s'emballer. Tu veux pas nettoyer d'abord puisqu'elle est occupée. Nettoie. Après tu l'enlaceras. Bah, comme tu disais l'autre fois que la cocaïne c'était le reste du succès. Ouais, mais alors si tu veux, entre la morphine et la cocaïne, il n'y a pas le même effet. Hein. La cocaïne, je pense que t'es un petit peu boostée. Autant la morphine, ça a plutôt tendance à assurer que t'es la pêche comme avec la cocaïne. Enfin, remarque, la cocaïne, j'ai jamais essayé. Hein. Mais ça se tente, hein, pour où j'en suis.
Bon, tu veux pas bouger, toi, la Taïté, t'as pas fini ton tableau encore? Voilà, c'est bien. Donc, on a dit... Hop, enlacé. Ah, tiens, tu vas devenir... Ah, bah, c'est bien. Enlacé... Donc, on a dit... Demander d'être sa petite amie. Il manquerait plus qu'elle me mette un vent, tiens. M'étonnerait pas. Mookie. Ah, c'est bon, elle est d'accord. Un petit sexy. Magnifique. Là, tu dois faire quoi? Embrasser langoureusement. Mais je crois que c'est que quand t'es en jeu là, ça, non? Ouais, c'est ça. Alors, va prendre une douche... une douche froide, hein. Non, embuée, je crois. Embuée. Et toi, hop, dans ton tableau. Voilà, magnifique. Toile classique, grande toile classique. Ah, donc, t'as du mal à arriver au mille simples, hein. Tranquillou, tranquillou, hein. Et merci Laure pour le follow, merci beaucoup. Embrasser, langoureusement, faut être les deux assis à côté à côté. T'as pas une option quand t'es... Attends, arrête de peindre. Il me semble que tu as un peu moussé. Ah, c'est passionné, confondu. Mais pas langoureux, non. Bon. Allez, viens t'asseoir, mon petit. Va s'asseoir, toi aussi, t'asseoir. Hey, salut Alexandre. Tu vas bien? Et... Allez, embrasse-le. Ah, tu veux faire crac-crac aussi. Ah. Eh bien, allez, prochaine étape. Voilà, et tout ça, ça va nous rapporter des points. Pas beaucoup, quand même. Hein. Et là, qu'est-ce que tu veux embrasser? Bon, on va se la garder. Hop! Ça va, ça va. On fait aller. De mieux en mieux au fur et à mesure que les médicaments font effet, mais... Ça va. Bon, bah va faire crac-crac. Allez. On a des points d'aspiration à gagner. Avec l'esprit d'initiative, tu gagneras des échelons plus vite. Ah bah en plus, il va travailler dans une heure. T'es une blague salace, non, on s'en fiche. Améliorer, ouf, on s'en fiche. Bah, il va aller travailler dans une heure de toute façon. Petit tour aux toilettes. J'ai enfin fait autre chose que de la construction, c'est bien. Ah oui, ah putain. Oui, je sais, tu m'as envoyé un message à Alexandre pour Nightbot et j'ai pas été voir. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'irai voir ça après le live. Désolée, j'ai pas eu le temps. j'ai pas trop le temps. Bon bah de toute façon, il y a plus rien à faire, juste aller au travail. Toi, bah tu vas dormir. Non, ça fait déjà deux fois, il m'aime vraiment pas. Ouais. Bravo Alexandre. Ah oui. Mon doigt a dérapé visiblement. Fais attention, c'est un peu violent comme phrase. Hein. Mince, j'ai pas mis. Ah. Dégage, Nina, dégage. Travailler dur. J'avais oublié. Bon bah tant pis. Nina, on t'a dit non.